Il était une fois une ribambelle d'enfants, plus d'une centaine selon la légende, venue d'une école nichée entre bois et champs. Il s'était levé avant le jour et avait traversé tout le pays pour se rendre à la Cinémathèque royale de Bruxelles. En ces murs, ils allaient remonter aux origines même du cinéma afin d'en percer les secrets les plus secrets. Du zootrope à la pellicule à perforation en passant par le praxinoscope, les enfants avaient recréé à grands coups de feutre et de pastel les premières images animées, ancêtres du cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Il était maintenant temps de s'aventurer dans les salles obscures du sous-sol pour se muer, le temps d'un atelier, en petits acteurs burlesques pour les uns et apprentis réalisateurs pour les autres. On dirait que c'est une dame au milieu d'un champ. Oui, et c'est un poisson, mais... En fait, vous voyez qu'il y a plusieurs images. Les filles-là ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.